Je prends la route de Saint-Sport histoire de prendre un peu l'air. Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur South Park, The Stick of Truth. Alors on était arrivé dans la cantine et on devait aller récupérer le bâton à Cartman dans l'école. Et donc on est parti. Bon, j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Donc je recommence. Rien pour vous. Là où ça sert à rien d'y aller. Ouf. Voilà, tout le monde est bien, on n'en parle plus. Hop. Oh, j'ai un nouveau message de Pete. Je ne suis là que pour dire aux gens combien ça craint. Pourquoi il n'y a pas de meurtre? Ok. Hop. Voilà. Paf. Cri du dragon. Tech, alors on va aller rassembler tous ici. Beg for mercy. Oh yeah, try this one on for size. Tech. I kill your friend. Et ah, je l'ai raté. Soup, did you shit your pants? Mince. Revenez l'eau. Tous ensemble. That's nasty. Boom. Tout le monde est dead. Ensemble. Hop, tac. Alors on a récupéré des gants. On va équiper tout de suite. Continuons. Hop, alors. Duc. Boum. Connard, c'est moi, Butters, le paladin, ton ami, tu ne vas pas dans l'équipe Kyle. Il y a peut-être des gens plus cool dans son camp ou une meilleure base, et parfois ils font des piñatas. Bon, je devrais plutôt la fermer. Hop, alors, donc, on va prendre la sonde alien, on va se poser juste ici. On va faire... Hop, le chien temps puant pour attirer l'euro dans le piège, c'est pas ce qu'il faut faire, je suis totalement à l'ouest. Hop, on va l'amener là. Il se fait éclater comme une merde. Excellent. Ensuite, ça, hop, comme ça, on récupère. Voilà. Pouf. Pouf. Non, pas commande de potes. Voilà. Hop, ça le tue. Et ça nous tend un câble pour justement descendre. Voilà. Donc. Ah, j'ai pas pris le casier. Le casier. Voilà. On descend à la cave. Restez en retrait les gars, il y a un truc qui cloche avec le surveillant de couloir. Oh, c'est cool. Bon sang, c'est Gary Nelson. Fais gaffe, il peut nous gauler parce qu'on n'a pas de passe. On est venu à l'école le matin suivant le séisme pour filer un coup de main. On savait pas que l'école était fermée. On a entendu du bruit en bas, on a trouvé ce slime vert. Il est en avait partout. Ça a transformé les zones surveillantes couloirs. Ça t'apprendra à être foutu cafeteur de surveillant. D'abord. Il y a quelque chose d'autre dans le slime. C'est... Ah, on dirait que ce slime vert rend les surveillants roux encore plus terrifiants. J'ai pas bloqué. Alors, comme ils ont tous un bouclier, on va envoyer ça là-dessus. Perfecto. Ensuite, on va faire un petit coup de sommeil là-dedans.
Je me suis trempé de boutons. Pouf. Ah, j'ai pas lancé, putain. J'ai raté. Quel poulet. C'est pas grave, on va faire ça. On va refaire le... Ah, non, on peut pas. Donc je vais faire un gain de puissance. Là, comme ça, je vais pouvoir le faire, normalement, je pense. Tac, et on les fait faire un petit somme à nouveau. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Sleep now with Jesus, for you are blessed. Bien. Très très bien même. Alors, la batrang. Tac, pas mal. Super. Alors, un petit coup de somme. Et on vise le. Ah merde. Ah, on en a déjà un perdu, c'est bien. Boum. On va lancer. Ah, ça va taper sur celui qui est par terre, mais bon, c'est quasi sûr. Ah non, bien, tout le monde est battu. Impec. Waouh, qu'est-ce qui s'est arrivé? Des brasseurs nazis. Il y a un coffre jusque là. Récupéré. It might just be Nazis. We don't know that they're Nazi zombies yet. Le cri du dragon. Quand lui il se pointe, qu'il est dans l'alignement, boum, on l'explose. Et c'est-à-dire... Attends. Très bien. Super. Allez, ramène ta fesse. Ouais, parce que 10 000, il n'y en a qu'une. What is all this green stuff? Boum. Non, ça marche pas, il se déplace pas. Il est pas encore assez con. Étant donné que je connais maintenant on l'a pas encore le truc étant donné que je connais le jeu, là je sais qu'on va combattre une bestiole pour machin, je sais plus comment il s'appelle là. Hop. Donc alors on va faire ça, la bactérie mutante, voilà. Tac, tac, impec. Superbe. An amazing feat of skill. Je sais pas si ça marche. Leave now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Bon, elle dort, impec. Il faut marteler. Check this out. Hop. Il dort encore ou je sais pas. Je sais pas, il y a pas marqué de Zizi. Elle est étourdie, elle est vénère. Boum.
Elle récupère un petit peu de points de vie, mais c'est pas trop grave. Pouf, lance pierre de David. Boum. 5014. On fait toujours pas d'attaque. Ah. Elle nous attaque quand même aussi. Hop. Jimmy. Personne. Boum. Tac, on va leur endormir un petit coup. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Sleep now with Jesus. For you are blessed. Bonne nuit. Je vais lui mettre un petit coup de serpe. Elle dort pute. Alors on va changer un petit peu. On va prendre ça. On va prendre une potion. Hop. Et là on va aller taper au corps à corps. Boum. Voilà. Ça on fait ça. Je vais pouvoir lui mettre un coup de machin de grenouille la prochaine fois. Hop. Attends, on va la faire endormir un coup, comme ça on va gagner un tour. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. J'ai raté un petit peu quand même. Eyes on the apple. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mother. Ta mère. Wow, what a terrific audience. Et voilà, elle est morte. Impeccable. Y a rien d'autre. Rien à faire. Voilà. Alors. Hop. On va aller chercher ce qu'il y a dans le sac ici. On va remonter. On va arriver dans le couloir. On récupère. Connard, si tu écoutes, je sais que tu fais rouler. Que je te pardonne. Rejoins-moi et ensemble nous régnerons sur le monde. Tiens, voilà le toutou de Kyle. Se traite de connard. Affrontons Butters, notre ami qui nous aura bien aidé jusque-là. J'ai utilisé ça à rien. Ouais, trop de balles que je suis. Et quel blocage! Très bien. Hop. On va utiliser la batterie parce qu'il a encore 3 boucliers. Bien, j'ai raté. Non, c'est pas la peine. On va faire. Ça marche, je crois, quand on pète. Merde, putain, je suis en train de faire de la merde. Bon, là, j'ai raté. Immunisé en plus. Je me suis fait électrocuter comme une bite que je suis. Alors du coup on va redresser notre camarade Jimmy. Potion de résurrection. La votre angle, oui. Parfait. Oh,
Boum. Ok, prochain tour, on change. Butters, bim, dans ta face. Espèce de petit con. Ok. Bon, de toute façon, il va mourir. Même si on bloque, quoi. Fiotte. Espèce de petite fiotte, Butters. Je te hais maintenant. Tac. Alors, Jimmy Punchline. Je vais te couper les couilles, Butters. Comme ça, tu vas saigner comme une petite fille. Ok, c'est première règle. Ça c'est pour. Merde, j'ai bloqué trop court. Putain, j'ai pas le temps, je voulais prendre stun, bordel. Alors, tac. Bon bah là, je suis obligé de me soigner moi, parce que sinon ça va être le dessin, n'est-ce pas? De toute façon, 235. Avec un petit peu de chance, ça passe. Là, il va encore perdre. Dommage. Pas mal. Je vais prendre une petite potion. Petite. C'est pas la peine de charger. On va bauder. Tac, et là. C'est pas marché. Bien. Merci au feu. Ça me fout les boules. Je sais pas quoi. Hop, on a récupéré le marteau qui fait beaucoup plus de dégâts normalement. Ah bah je peux prendre celui-là aussi. Ok. Vraiment connard, tu brises les couilles là. Tac. Tac. Oh, il est dégueulasse le chiotte. Alors, on va faire comme dans la saison 11, on va chier dans les riz noirs. En plus, le responsable est avec nous, n'est-ce pas? Oh, Lemmywinks. Lemmywinks, qui est le l'hamster de la classe. Et voilà. Éloigne-toi des bureaux, gros cul sorcier. Tu es un traître, connard. Comment t'as pu faire ça? Parce qu'il est, il sait qu'on est plus cool. Va botter le cul, Cartman. Je t'ai invité à jouer. J'ai aidé ton ami avant tout le monde. Il veut pas jouer avec des tricheurs. J'ai l'impression que les elfes t'ont retourné le cerveau. Ressaisis-toi, le nouveau. Reviens vers la lumière. Attaque Kyle. Qu'est-ce que t'attends, vieux? Défonce-lui sa sale face. Je vais appeler le nouveau. Il y a un nouveau message de Kyle. Duel entre Token et Stan dans la forêt elfique en fin de journée. Venez voir le champion Ranger botter du cul. Désolé les gars, je peux pas. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Ton dentiste te sauvera pas éternellement, Token. Et donc on va péter la gueule de Cartman, tout simplement parce que... Il aime pas les juifs, et nous sommes juifs. Voilà. Oh enculé, je savais que t'étais un putain de connard. Je croyais qu'on venait prouver quelque chose. Non. Tu es qu'un enculé. Je vais te la télécouille. Et voilà. Tu as encore 10 985. Aucune. Aucune chance, gros lard. Espèce de fête à pute! Aucune chance, gros lard. Je répète. Aucune chance. Fucking Judas! Enfoiré de judo! Tu prends la potion de santé. Et voilà. Dans ta face, bitch. Ah,
Il n'y a qu'un seul maître sorcier du KKK. C'est la confrontation d'Harry Potter. Pensez au cerf. Oh putain, j'ai plus de dos. Oh. Maîtrise ton colon. De nouveau. Ah, c'est la victoire. Pas cool, les gars. Le sorcier maléfique a été vaincu. Beau travail de nouveau. Le gothique, prenez le bâton dans son bureau. La victoire nous appartient. Et attends, Amy, nos bureaux n'ont pas de tiroir. Quoi? Les bureaux à l'école ont juste un plateau. Mais sur Twitter, il disait... Regardez, ce bureau porte des inscriptions. Regardez dans mon casier. C'est le bureau de... C'est le bureau de Clyde. Salutations, humains et elfes noirs de Zaron. Clyde, il s'est emparé du bâton. Pendant que vous étiez occupé à vous battre entre vous, j'ai bâti un royaume qui dépasse votre entendement. J'ai prié pour trouver un moyen de tous ou de trier la solution. Oh non, encore ce truc vert. Grâce à ma découverte, je vais lever une armée de morts vivants. Je vais lever toute une armée de ténèbres et tuer la Terre. Clyde, mais pourquoi? Je l'ai condamné à errer dans l'espace-temps. Maintenant. Vous voyez, imbécile, je contrôle le bâton et l'avenir. Clyde, tu veux un sandwich? Pas maintenant, poche, je tourne une vidéo du Seigneur des Ténèbres. Quiconque contrôle le bâton contrôle l'univers. Et mon premier acte sera de condamner le royaume des humains et des elfes. Et de déchoir les deux rois de leur trône. Salut. Oh, salut les gars. On peut parler à Clyde, s'il vous plaît. Oh, Clyde joue dans le jardin avec ses petits camarades. Venez vous faire défoncer, loser. T'as pas le droit, Clyde. T'es perdu dans l'espace-temps. Même pas vrai. Si, c'est vrai, trop Luc. Armée des ténèbres, défendez la forteresse. Du monde. Craig, t'es dans mon camp. C'est plus toi qui commandes, c'est le gardien du bâton qui l'a dit. C'est pas possible. Bordel de merde, c'est moi qui commande. Désolé, guerrier et sorcier, je serais ravi de vous inviter dans ma forteresse des ténèbres, mais je crains qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Comment ça, trop tard? Ah, te voilà, Butters. Tu sais l'heure qu'il est, jeune homme. L'heure du dodo est largement passée. Oh merde, l'heure du dodo. Clyde, c'est l'heure du dodo est passée. Ah, d'accord, j'arrive pas. Bon. Oh, bonjour. Tu as raté les infos. Il paraît qu'on va avoir le plus gros Taco Bell du pays dans notre ville. Maman et papa ont espionné ta page Facebook. Et vu que tu faisais... Pourquoi tu ne racontes pas, hein? D'accord, bon, il s'est fait tard, mon chou. Monte te coucher, je vais venir te border. Alors, au niveau des quêtes... Alors, il reste toujours deux enfants à trouver, je ne sais pas où ils sont. Ah, mais il n'y a plus que trois trucs à faire. Quatre trucs. La cloche, les oranges sanguines, suceuse de sang, alors ça je sais pas où c'est. La mort de la bactérie, utiliser un plat de poutine pour débusquer et vaincre l'araignée japeuse canadienne des cavernes froutantes. Donc ça c'est au Canada, donc c'est pas là. Ok. Et les sans-abri, il en reste encore un. Je sais pas où il est non plus. Et là il faut aller se coucher, tout simplement. Mais on fera ça la prochaine fois. Bien, on va arrêter cette vidéo là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si vous ne voulez rater aucun de nos épisodes. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut. South Park et je vous présenterai des potes.